curiosity, interest, and obsession. Mile markers on my road to damnation. Et on est de retour pour plus de Darkest Dungeon. Donc, on a une équipe, on avait fait une équipe avant de se quitter. on avait une équipe, on a un bon roster quand même de personnages. Niveau 6. Je crois que bientôt on va devoir quand même... on est à la semaine 56. Je crois que bientôt on va devoir embarquer pour le Darkest Dungeon. Donc ouais, va falloir qu'on fasse ça. parce qu'il y a encore même 3 assauts à faire. Et du coup ça demande... Je sais pas compter. 12 personnages. 12 personnages. Ah, arrête de changer les trucs, j'aime pas, ça me fait peur. On a quoi? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, 8. 8, donc on a 8 personnes. Ouais, ça va, on va pouvoir... on a des bonnes personnes qui arrivent. On a des bonnes personnes qui arrivent, donc on va pouvoir s'occuper du reste. Il paraît que le premier est plus ou moins un des plus difficiles, sans compter le boss de fin. On m'a dit, le premier assaut est un des plus difficiles. le deuxième devrait pas être trop difficile. On verra. Donc on a fait une équipe, mais je sais plus pourquoi. C'est con, hein. Donc on a Dark, on a Bourdekin, Ornstein, Verdun. Je l'appelle Ornstein, hein. Même si ça se prononce. Faut que j'entende comment ça se prononce en fait. Alors je sais plus si c'était pour les 12 livres ou la sirène. Je crois que c'était pour le canon en fait. Hein. Enfin les 12 livres, le canon plutôt. Le canon. Le canon. Alors il y a le canon et d'autres personnes. Je crois que c'est pour le... Oui, on avait voulu faire le canon. Donc les dégâts en plus, les dégâts et de la précision. Donc c'est des humains qu'on va taper. Ouais. Là on a augmenté ses soins, sa défense. Lui non par contre. Lui ça va. Et ça. Ils vont... Je pense que les gens vont prendre cher, mais on fait... En théorie, on va faire très mal. En théorie. On va faire plutôt mal. Donc je crois que oui, c'était le canon qu'on voulait faire. Par contre, pour rester, donc on a critique plus 10. Est-ce qu'il faisait du changement de position dans le combat du canon? Je crois pas, hein. Donc ça, en théorie, on pourrait le pop aussi. Donc ça ferait 6. Ah oui, il nous faut le truc de la nuit. Donc 6 avec... c'est celui-là? Empêche, oui, c'est ça. 9. Donc 9. Donc il nous reste encore 3. Le repérage, c'est pas trop intéressant. La surprise, c'est pas trop intéressant. Il nous reste 3, donc on a ça. Précision et critique. Et après, il nous restera 1. Non, ça va. On aura du bon buff de dégâts, ça va. Allez, go canon. Ah oui, j'ai mis un nouveau mode. En fait, 2, parce qu'il faut un pour faire fonctionner les deux. Donc c'est un peu... C'est une personne, en fait, qui a vu... vous rappelez les modes avec... qui changent les icônes des gemmes, là. Plus vous en avez, plus ça stack, en fait, ça fait un paquet. Ben, une personne a voulu faire pareil, en fait, avec les ressources. Donc c'est plutôt sympa. Donc vous voyez que là, il y a plein de ressources et tout ça. Donc c'est assez marrant. Bon, la nourriture, ça change pas. Mais les torsies, par exemple. Vous voyez ? C'est plutôt sympa, je trouve ça cool.
Je trouve ça sympathique. Alors, Wild. C'est ouf quand même, après autant d'heures de jeu, je dois toujours regarder les endroits, quoi. Je m'en rappelle jamais. Le canon, c'est les bandits. Mais il y a quoi dedans? Ah, c'est relou hein, de pas avoir mémoire comme ça. Alors, c'est surtout. Ouais, on a des cadavres, on a. Il faut de l'antivénom, de l'eau bénite. Des pelles pour creuser les croix. Ouais. Et les monstres, c'est quoi? Ah oui, c'est des toutes les créatures avec champignons et tout ça. Bon, ça, c'est relou par contre. Herbe médicinale. Deux clés. Par contre, on va prendre, je crois, 4 pelles. Après, ça fait vraiment des grosses icônes bien pleins. C'est un style, faut aimer. Parce que c'est fait exprès, vous voyez que ça dépasse en fait la bordure du cadre à chaque fois et tout. C'est fait exprès, c'est vraiment pour vous montrer qu'il y a un surplus et tout. Mais ouais, faut aimer, parce que c'est vrai que sur le coup, ça me fait un peu bizarre de voir des grosses icônes comme ça. On voit peut-être même. À la limite, les chiffres, ils sont un peu cachés par les icônes. Donc, ouais, ah, faut aimer, faut aimer. Moi, ça me dérange pas vraiment. De l'eau bénite parce qu'on peut trouver des buffs et je voudrais qu'on se prenne de l'eau, qu'on se buff à l'eau bénite aussi. Donc ouais, ça fait un peu beaucoup d'argent quand même. Le pire, ça serait de tomber à court de pelle, honnêtement. Dans ces cas-là, donc 5 ça, ouais, pas mal. On peut pas s'enlever le saignement, je crois. Ouais, on peut pas s'enlever les debuffs en fait. Bon, ça a l'air ok. De toute façon, on n'est pas vraiment là pour. The wild whispers of heresy roused the rabble to violent action. Such was the general air of rebellion that even my generous offer of gold to the local constabulary was rebuffed. To reassert my rule, I sought out unscrupulous men skilled in the application of force. Tight-lipped and terrifying, these mercenaries brought with them a war machine of terrible implication. Yeah, okay. Qu'est-ce que je voulais dire? The smell of sulfur and gunpowder hangs in the air. The war machine is close. Wow, deux combats d'affilée. Oh, putain. Oh la vache, on a un obstacle de combat. Non, on a un obstacle, on a. Ah, c'est vraiment l'endroit pourri quoi. Ah oui, on a ça aussi. On a dégâts en plus et tout, et de l'expérience en plus. Donc avec de la chance, ils vont être proches de 6. Donc ça nous ferait 4 bonnes personnes au roster en plus. Je regarde juste les habilités, si on est bon. Toi, t'es en première ligne. Ça, on l'utilise jamais. On va peut-être l'utiliser de temps en temps. Parce que quand même, précision 7 et dégâts 24, c'est pas rien. C'est vraiment pas... Ah oui, mais ça soigne aussi, ça. Ok. Toi, tu vas... T'es en quatrième position. Toi tu peux pas jouer. Ah, t'es en quatrième position. Alors attends. Du coup on fait ça. toi, pour le moment on va te mettre en... Voilà, stun, un peu ouvre. Il paraît que deux chasseurs de primes c'est pas mal. Et c'est, je pense que c'est vrai parce que nous on utilise souvent là les deux... Les deux étourdissants, parce que comme ça on peut étourdir de n'importe quelle position. Ah merde, attendez, il est en troisième. Donc ça non. Ouais, il peut faire de l'étourdi en fait un peu partout.
protection, moins 15%. Ça, c'est du saignement, mais c'est juste 2. Ah, dégâts subis, plus 12%. Putain, même ça, c'est bien. C'est pour attraper les cibles. Et ça marque en même temps. Ouais. Et ils disent que on peut en faire un qui contrôle et un autre qui DPS. Et ça marche plutôt bien, en fait, de chasseur comme ça. C'est pourquoi ? Pour de la nourriture, je crois. Ah non, c'est pour des... Wealth beyond bah si, measure. C'est bien ça. Awarded to the brave and the foolhardy alike. Non. Ornstein, t'as foutu ta merde. Je crois que c'était un buff ou c'était du stress, ça. C'était... Ah, oh, c'était un attribut positif. Ah, oh, putain. Va falloir virer ça, là. Je sais pas ce que c'est. Fais voir. Démonologie. Non. Bah si, ça doit être ça. Se croit victime d'une possession de... Ah oui, c'est des fois, il veut faire des trucs, ouais. Putain, Ornstein, tu nous as merdé un attribut, là. Finding the stuff is only the first test. Now it must be carried home. Bien. 4 à 7, 5 à 8. Évidemment. Ah oui, lui il a ça qui ignore la furtivité. Honnêtement, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Oh la vache. Non. Putain de merde. Voilà. Ça, tu crèveras au prochain tour. J'aurais dû mettre du saignement plutôt. Allez, deux critiques d'affilée sur la même personne. Allez, c'est parti. Teetering on the brink, facing the abyss. A devastating blow. On its own. A decisive pummeling. Ça fait chier parce qu'il aura... Il va avoir des stats en moins, quoi. Parce que... The wounds of war can be healed, but never hidden. Mmh.
Je crois qu'on peut rien faire, agonie surmontée. Ouais, de la merde. Waouh, tout ça? Putain. Vache. Mets-toi devant, comme ça on te tue. Exposed to a killing blow. Eradicated. Très bien. Ah, il fait des bons dégâts quand même. Par contre, comment on peut pas les debuff? On n'a pas de, on n'a pas mis de debuff, pas vraiment. Enfin, de genre baisser la, la précision et tout ça. Dégâts moins 10%. Et merde. Non. Aïe. Ouais, ça va. Non. Bon, ça va. Mais quand même quoi, c'est relou. J'ai vu des gens se faire one shot, genre faire 80 dégâts et tout ça là dans avec le tronc là. Pour l'instant on n'a pas vraiment vu de gros dégâts comme ça. Ça va. Très bien. On peut pas le stun? Non, pas vraiment. Lui mis en coup, critique en régène, c'est pas mal. Lui, on lui a mis la compétence de soin en plus, voir si c'est utile pour. Monster's size has no intrinsic merit, unless inordinate exsanguination be considered a virtue. Pour ce genre de personnage.
pour un healer mono cible là comme ça. Oh là là, mon dieu, 3 combats. Putain. Et merde, il y a un piège. T'as résisté? T'as résisté. Non! Abruti. As the light gains purchase, spirits are lifted, and purpose is made clear. Precision and power. Joli. Pas mal. Slowly, gently. This is how a life is taken. Ok. Ça en fait beaucoup hein, des combats, hein, la vache. On va bien arriver au boss sans plus de combats maintenant là. Putain. Masterfully executed. Ah! Alors ça, ça fait mal. Ouais, bof. Ah, bien. Ils auraient dû faire un mode avec ces Smog, le gros dans Dark Souls 1, celui-là qui combat avec, avec Ornstein. En homme d'armes. Homme d'armes, ça aurait été pas mal. Ça, c'est plus précis, j'ai remarqué, le drag là. Pour attirer les ennemis, donc je vais faire ça. Antidote. C'est 1000 par pièce. Enfin 1000, ouais, 1000 un saphir, 1000 la pièce. Ah putain, j'ai encore... Quand j'arrive plus à cliquer sur le côté droit, c'est parce qu'il y a ces cleaners qui pop. Ouais, quelle merde. Ah, là on a un curio, ça pourrait être utile. On va faire comme ça, tac. Et peut-être remonter.
Par contre, j'étais en train de me demander, est-ce qu'on devrait pas mettre la marque? Peut-être au lieu de la traction, on mettra la marque à la place. J'en sais rien vraiment. Oui, je pense. Venir. C'est bon, t'es mort. A powerful blow. The slow death, unforeseen, unforgiving. Parce que là on pourrait faire la marque à la place de ça, mais enfin cette attaque est vachement bien quand même. Dégâts moins 10% et protection moins 10%, c'est surtout les dégâts en fait que je trouve vraiment bien. Le fait de se prendre moins cher, ça a pas de prix. Hein. Ouais, merde. Toi tu vas mourir. On est bon. The bigger the beast, the greater the glory. Peut-être camper ici, ça dépend des combats en fait. Laden with loot are often low on supplies. Non, on n'a pas eu de. Enfin, je préférerais combattre ici. Enfin, ça m'étonnerait quand même qu'il y ait 4 combats en tout, quoi. Enfin, quoi qu'on peut, hein, si on n'a pas de chance. Genre 1, 2, 3 et 4 sur le chemin. Alors, on va camper au dernier. À l'avant-dernier. Gold, trinkets and baubles, paid for in blood. N'a pas eu besoin de pelle, c'est magnifique. In radiance, may we find victory. Ben voilà. Le curio, on va aller le prendre parce que ça pourrait être un. Je pense que ça peut être un buff de. De dégâts. Ou alors c'est le stress ici, je sais plus. Je pense que c'est. Ça peut être pas mal. Circle in the dark. The battle may yet. C'est un peu embêtant qu'elle a eu qu'il ait eu agonie là, surmontée, c'est cool. Alors qu'est-ce qu'on avait dit? Alors, empêche les embuscades. On est obligé. Alors après. Le critique plus 10%. Beaucoup mieux. Après on a. Donc précision et critique, je pense.
La taille 2, on n'a pas besoin, parce que le canon, c'est un taille 1. Donc, précision et critique. Même les bâtiments peuvent être tués d'un coup bien placé. Et normalement, on peut mettre ça. La transguerrière aussi. Voilà. Après, lui, si on jouait avec le stress, on peut faire ça, mais on ne joue pas avec le stress. C'est quoi ça? Ah, ça stresse les gens. Et ça déstresse lui, non. Ça va. Nous sommes la flamme. C'est marrant qu'il dise ça en ayant une flamme dans la main, une âme. Nature herself, a victim to the spreading corruption, malformed with misintent. Ah, vous faites un peu chier en fait l'équipe là. À prendre les trucs comme ça là. The match is struck. A blazing star is born. Ah, c'est juste un coffre. C'est juste un coffre, on s'en fout. Il y a peu de chances que ça soit un truc comme ça en fait. C'est pas grave. Ah, bien joué. Mon dieu. Mon dieu. On peut faire demi-tour. Confidence surges as the enemy crumbles. Parce que putain. Is broken. Maintain the offensive. Impressive. Ah, ça valait vraiment pas le coup, hein. Oh la vache. Ah, j'aurais dû le mettre un régène, ouais, c'est pas grave. On a plein de nourriture. These nightmarish creatures can be felled, they can be beaten. Waouh, tout ça pour rien quoi en plus. Pas tuer. Tout ça pour strictement rien. Non! Cette équipe, c'est l'équipe touche à tout en fait. C'est vraiment l'équipe touche à tout. Les mecs, ils peuvent pas s'empêcher de. Ah, putain, on peut l'enlever ça? What? Oh, ça c'est abusé. Je pensais pas qu'on pouvait enlever le malus de ça en fait.
pensais qu'il y avait des malus comme ça qui restaient, si c'était des une contrepartie en fait d'un bonus. Mais apparemment on peut l'enlever. Mais ça tue. Donc du coup, bah là maintenant, Ransley peut se mettre dans n'importe quelle position, il aura toujours le... Enfin non, si, il aura le buff en première position, mais il n'y aura pas de malus en fait. S'il bouge. Non bah ça tue. The way is lit. The path is clear. We require only the strength to follow it. Parti. A marvel of technology. Ah bah t'as 15 HP. Ah j'ai pas changé les habilités. Oh, c'est pas grave. Alors, marquage de cible. Ah ouais, t'as 21 d'esquive quand même. Ok, il va falloir faire attention à ça. Tu peux être stun. Tu peux être stun. On la joue sécurité au début. Voilà, j'ai perdu un tour. Ok, 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 ok. Aïe 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 aïe. C'est le moment de briller. Merci. Ta mère, j'arrive pas à faire des dégâts sur le. Oh, va te niquer. Ringing ears, blurred vision, the end approaches. Dis-moi, on est dans la merde là, non? Ça a pété. Oh oh. Oi 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 oi. On peut pas le marquer, je peux. On est très mal placé en fait. J'ai pas les bonnes attaques. J'ai vraiment pas les bonnes attaques. Ouais, allez, fais un peu de dégâts là parce que. Ah oui, si on le joue comme ça et qu'on tue que lui, on garde celui-là en vie. On va avoir que deux personnes, parce qu'il peut pas mettre un double ou deux mecs différents. Oui, je me rappelle maintenant. Okay. Vrai qu'on se soigne, mais du coup ça me fait perdre un dégât. Puis en plus là il est en troisième position, donc Hansi ne peut pas toucher. On va devoir faire traction. D'accord, on commence bien. Ça va. Ouais, mais prochain tour, il va falloir vraiment soigner Ansley.
t'as encore un soin. Faire ça. Ah si, il peut. Il peut, il peut. J'ai rien dit, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Faudrait qu'on tue, qu'on attire lui en deux, en un ou deux. Très bien, comme ça il est devant nous et il apparaîtra que devant nous en théorie. Enfin, sauf s'ils avancent. Ah si ils avancent, c'est la merde. A dizzying blow to body and brain. Merde, il faut le tuer, putain. On n'arrive pas à faire de dégâts. En dernier, je peux toucher avec Ornstein, donc à la limite on peut soigner. Très bien. Ah, le saignement, faut l'enlever, bordel de merde. Ah, ok. Ouais. Ah. Ah, on a un problème. Comment ça va? Saigne, yes. J'ai toujours pas enlevé le saignement, c'est trop bien. On met 7 ans à faire des dégâts, c'est trop bien. C'est là en fait on est vraiment mal mis, on est bloqué dans le. Dans le fait qu'il apparaisse toujours en arrière. Je sais pas si c'était pareil la première fois. Clarified in a single strike. Si j'arrive à le traîner devant... Oh la vache, mais nique-toi quoi. J'allais dire, si j'arrive à le traîner, on peut le tuer plus rapidement. Ben, on lutte, hein.
Si on le tue pas très vite, on est mort. Aller. Ok. Évidemment, il faut pas faire ça. Il fait renfort quand même. Il fait quand même renfort. Il a malus, d'accord. Il a malus 220%. Quoi. Si on pouvait le one shot, genre à 100% avec Ornstein quand il est en 4ème position, l'autre. Ce serait vraiment bien, mais c'est pas... C'est très risqué quand même. Puis en plus on n'a pas de soin en AOE, donc c'est un peu la galère. Puis le fait de pas pouvoir le marquer quoi. Oh là là, quelle merde. C'est vraiment une catastrophe ça. Bien joué, super. En fait, on joue tous dans le mauvais ordre pour être efficace. Genre quand lui, il est en... Enfin, quoi que non, il serait pas en troisième position. Enfin bref. C'est juste une merde pas possible. Je sais pas quoi faire. On va voir. Ok. Yes. Bien joué. Eh ben, c'est quoi ça? Seize this momentum. Push on to the task's end. Ah ben c'était pas de la tarte. Hein. C'est pas méga bien passé. Hein. C'était compliqué quand même. Hein. La vache. Je sais pas ce qui allait pas en fait. C'est le positionnement. C'est le positionnement, j'imagine. Genre Ornstein en quatrième, des fois. Enfin, il loupait aussi beaucoup. Donc.
on n'avait pas vraiment une personne qui pouvait s'occuper du bandit avec le bâton. Ah, c'était... Putain. Passement... Oh la vache, j'ai mon fil. Ah, c'était compliqué. Là, je... J'ai rien à dire d'autre, c'était pas parfait. Un fresh irritant to some. A sanguine memory to me. Le prochain... On va devoir un peu plus réfléchir. En fait, c'est vrai qu'après, on était un peu pressé par le temps. Parce que on avait des dégâts en plus dans la zone. Alors. Ok, très bien. Ah! Mon dieu, photosensibilité. Dégâts moins 10%, victoire supérieure 75, putain. Ah mais dans le... On va te prendre pour le moment, mais putain. Pour des trucs bien pourris, ça y va. Hein. Il nous faudrait donc 14 portraits. J'avais pas fait attention que c'était les portraits qu'on était. Après. Non, portrait... encore 4. La merde. Il va pas m'en rester assez là. Bon, pas grave. On verra ça après. Puis en plus l'équipe qui touche à tout quoi. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est relou. Alors Armstein va falloir virer. l'effacement, parce que c'est... Oui, non, c'est un des pires. Alors, effacement, 1500, putain. Après, t'as rien à... T'as rien à gagner. Compétence à distance, 10%, mais on s'en fout, t'as pas de distance. Ouais, non, t'as vraiment pas de distance. Toi, t'as eu ça, l'hémophilie. Peut-être on va t'enlever les maladies, toi. Le syndrome de l'imposteur, ça fait passer un tour. Ah mais attendez, tain, je les envoie, mais peut-être que je devrais pas les envoyer, faire voir un peu. Alors, change de groupe, soit surpris, moins 20. Change de monde, soit surpris, plus 20. Esquive. Pressement, saignement et la maladie, 50%. Ah, ça, la balle de mousquet de l'ancêtre. Critique et dégâts. À distance. On peut faire peut-être ça. Ça a l'air bien. Ah oui, il y a ça qui m'intéresse aussi, mais ça on verra plus tard. Ah, un truc qu'on peut faire, c'est ça. On aura la marée douce. La marée douce, je pense que c'est pour la crique, les dégâts en plus et tout ça. Et après, on pourrait faire le boss. Si on a une équipe. 3, 4... Non, on a plus d'équipe, en fait. On n'a plus vraiment d'équipe 3, 4. Va falloir augmenter les niveaux 1.
Ou alors il y a ça aussi qu'il faudrait débloquer. C'est ça. Ouais. Comme ça on a une chance d'avoir des niveaux 3. Parce qu'on s'en fout maintenant des niveaux. Attends, j'ai vu un calice, c'était où? C'est ça. Compétence de soins, campement. Bon, je veux bien. Je veux bien partir pour ça. Ok, donc on est de retour. J'ai dû faire une petite pause. Je suis allé un peu me renseigner en fait. Parce que là, j'ai vu qu'on avait beaucoup. On a quasiment que ça. C'est des donjons longs. On a juste celui-là en fait qui est pas long, je crois. Ouais, ils sont tous longs. C'est incroyable. Donc. On va devoir faire un long. Et le truc c'est que il y a aussi le Darkest Dungeon qui est long. Donc il faut que je m'entraîne. Il faut que je m'entraîne. Parce que je sais même pas si on a déjà fait un long en fait. Si, si, je crois qu'on en a fait un seul. Ou deux à la limite, grand maximum. Qui ont été qui ont fonctionné. Mais c'est parce qu'on avait genre des missions assez faciles. Genre c'était 90% des salles. Ou alors il y avait des missions, genre 3 cadavres, 3 machins. Et du coup, bah, j'ai pas vraiment fait le truc en entier, on est d'accord. Donc je suis allé regarder un peu comment faisaient les gens. Enfin, avoir des vidéos un peu d'aide et tout ça. Et faudrait qu'on aille... Alors il y a ça qui est intéressant. Il y a la balle qui est intéressante pour lui de dégâts. Mais il y a ça qui est encore plus intéressant. Donc c'est le manteau de l'ancêtre. Donc esquive 15... Pour 10 de stress, c'est vachement bien, honnêtement. C'est vachement bien. Et quand, vu qu'on parle de... Alors, on va faire comme ça. Vu qu'on parle, en fait, de... Putain, faut arrêter les trucs. D'esquive, apparemment, enfin, les gens, la plupart du temps, on va dire, jouent beaucoup sur l'esquive. Et c'est vrai que c'est pas si mal. Donc, je me suis dit, on peut peut-être ressortir donc Vanguard en position 4. Avec le bouclier de gardien, qui est vraiment, vraiment sympathique. Et on le joue en tant que support, tout simplement. Et après, on ressort le docteur. Honnêtement, le docteur est vraiment très très bien. Les meilleurs moments où on a joué, c'était toujours avec le docteur et le flagelliste et tout. Ça se passait super bien. Et je me suis dit, pourquoi pas tenter une équipe comme ça. Donc voilà, pendant ma poche, après j'ai fait des tests, j'ai regardé. Je crois que ça m'a pris une heure au moins pour réfléchir à un truc qui pourrait être sympa. Tout en essayant de monter des gens. Donc on a 2 rangs 5. Donc ça peut être bien. Je me suis dit, Jayandad, on peut le faire. Donc ce qui est sympa, c'est qu'on a ça. Dégâts critiques contre les impies, ça peut être intéressant. Et après je me suis dit, si on le fait tanker, on a de la protection, je suis d'accord. Mais il faut quand même un peu d'esquive. Donc de base, il a 15. Ce qui est pas mal. Et après, normalement, on aura ça. Donc esquive plus 10 et protection plus 5. Donc il aura 15 en prot et esquive 20 de base. Donc voilà, il devrait pas prendre trop de dégâts. Donc ça ferait 40 de protection pour 20 d'esquive. Plus après, bien sûr, le buff de Vanguard. Et après les autres, ils ont pas mal d'esquive aussi. Bon, peut-être lui un peu moins. Mais on peut le garder avec Vanguard. Et après, on a notre occultiste hein, qui est vachement bien. Et on le met en rang 2. Donc du coup, il peut utiliser sa dague, le soin évidemment. Et ça, le stun. Et de ce qu'on m'a dit, c'est le stun en fait un des plus puissants du jeu. Je sais mieux que genre ça apparemment. Parce que là, on, en fait, après je pense que c'est vrai. Parce que là, on est à 140% de stun. Et si on regarde là, on est à 130, mais on est à peine niveau 3. Donc peut-être que ça monte à 150. Je sais pas trop en fait. Mais en tout cas, voilà, il a de la vitesse, de l'esquive et tout. Après, le lépreux, honnêtement, il a jamais de précision. Mais le problème, bon, on a quand même le collier de nécromancien, autant un peu l'utiliser. Il faut bien le tester un peu un jour. Mais vu qu'on va camper, on va aussi lui mettre la précision plus 10. Donc j'espère que l'un dans l'autre, ça fera l'affaire. Donc ouais, je me suis dit on peut tester ça. Et puis l'infection ça marche plutôt bien.
Ça marche plutôt bien sur tout ce qui est squelette. Donc ouais, voilà. J'avais envie de faire un test hein, avec ça. Donc on va regarder un peu l'équipement. Ah, très bien. On est très bien. Et après, il y a certains trucs à améliorer. Alors, on a Vanguard. Parce qu'en plus, Vanguard, il doit aussi passer... Alors, je sais pas si on le prend pour le prochain... je pense qu'on va le prendre, en fait. Pour le prochain assaut contre le Darkest Dungeon. Car il est quand même vachement pratique. Donc, on va devoir quand même l'augmenter. En tout cas, on a donc ça. Donc, on passe à Esquive plus 10. Stress moins 20%. Là, on a une protection, bonus sur soi, ça va. Précision. Ah oui, on a aussi ça. Donc, en théorie, ça devrait bien fonctionner. Même avec le avec Giant Dad là, qui a des chances de rater. On n'a pas trop d'argent. Enfin, on n'a plus trop d'argent. Donc, je regarde ce qu'on peut augmenter. Ouais, c'est bien ça, on passe à 150%. Même ça pour baisser l'esquive en fait. Je regarde les habilités en fait qui sont pas genre minimum rang 3 déjà. Donc... Je crois que si je balance plus d'argent, okay. Je pense qu'on va devoir vendre des choses en fait maintenant. Donc je veux absolument récupérer ça. Après il y en a quoi en ancestral? Ancestral apparemment ils sont uniques hein, de ce qu'on m'a expliqué. Ça aussi c'est pas mal. C'est pour ça en fait que je pense qu'il y a les mêmes plusieurs fois. Genre là par exemple il y a deux fois le même. C'est pour ça en fait qu'ils reviennent. Alors, résistance saignement et la malice, c'est pas mal aussi. Donc ouais, je veux absolument ça. Je veux l'esquive en fait. Ok. Aïe aïe aïe. Ah j'aime vraiment pas les donjons longs. En plus on doit tuer là, on doit tuer tout le monde. Je suis pas vraiment fan du tout. Hein. Ah putain, on a plus d'argent déjà. Ok, ça commence bien. Après, on peut enlever les contaminations et tout ça. Donc, en théorie, avec le docteur, donc en théorie, on devrait être bon. Herbes médicinales, je pense pas qu'on en ait besoin de beaucoup. Par contre, les eaux bénites, je crois qu'il y a quand même pas mal de choses qui utilisent des eaux bénites. Ouais, ouais, y a beaucoup de choses qui utilisent les eaux bénites. Parce que là, on va vraiment plus ou moins faire tout le donjon en fait. C'est ça qui me fait un peu peur. Ouais, mais faut vraiment que j'apprenne à bien jouer en fait pour le donjon entier. Ah, je pense qu'on est bon là.
Je pense qu'on est bon. On va faire un ou deux combats d'abord et après on va camper le temps de remplir notre inventaire. Déjà, on va voir si ça marche bien en fait. The fiends must be driven back. And what better place to begin than the seat of our noble line? Ah, c'est super. Cool. Even the cold stone seems bent on preventing passage. J'ai un peu peur. Ok. Joli, joli, joli. On pourrait faire demi-tour, mais faut bien qu'on teste. Alors. De stun. Bon bah du coup non. Lui il buff hein, tout le temps, il faudrait le tuer en premier hein, je crois. Ok, c'est pas mal. Infection, ouais infection. Esquive, plus 10. Ok. Alors j'ai pas regardé, tu vois. Donc ouais, t'es bien passé à 40 d'esquive. Ouais, c'est ok, ça marche bien. On est pas mal, on est pas mal. 56 de... Ouais, la précision, c'est un peu de la merde. J'ai pas trop envie de faire du stun. Parce que ça va réduire la lumière. Ah, donc il tape et il recule à chaque fois. Hein. C'est... Alors, je vois un peu 77%. Ok. On a potentiellement un bon système. Great is the weapon that cuts on its own. C'est qui a le plus d'esquive? Ah, c'est lui. Et après, on pourrait même garder. Jayandad et après utiliser son habilité, genre ça là, dégâts en plus si le héros est gardé. Je crois qu'avec la fiole blasphématoire là, c'est vraiment le top hein, quand même le docteur. The slow death, unforeseen. Ok, là c'est pas mal. Alors ça c'est pour de l'argent. Que des pierres. C'est un peu des pierres de merde par contre.
Alors là, un combat un peu plus difficile. J'aurais dû les stun avec... ouais non, j'ai mal joué. Mal joué. Ok, faut que je réfléchisse à ça. Ouais, oh la vache. Ouais. Mal joué, très mal joué. Le docteur passera toujours en premier. Mortality clarified in a single strike. Je suis content d'avoir augmenté son... son esquive et il est à plus de 50. Et il se prend tous les dégâts au monde. C'est nickel. Ça me fait toujours plaisir. Il est tout sur lui, hein. Voilà, il va déjà stresser au max. C'est vraiment bien. Très bien. Donc pendant tout le run, on va avoir un mec en stress. Faire ça, comme ça on a de la précision. Toi t'es mort, toi non. Là toi t'es mort. Slowly, gently, this is how a life is taken. Non mais sans déconner quoi. Their formation is broken. Maintain the offensive. Ah ça fait chier que le mec soit déjà stressé quoi. Oh mon dieu, il fait que des bas quoi, il fait que le bas, c'est ouf. Masterfully executed. Très bien. Confidence surges as the enemy crumbles. Alors. Ah, ça c'est pour enlever un truc négatif. Qu'il y a des choses vraiment handicapantes. Cupidité, syndrome de l'imposteur. Cupidité. Bon, je crois que l'équipe fonctionne bien, mais là on a lui qui va nous faire un tout petit peu chier. Mon dieu, non mais sans déconner, ça fait 4 fois.
Très bien. Ah, je pense que... Non, j'ai rien dit. Je vais pas parler. Je vais rien dire du tout. Eradicated. Uncertainty, the birthplace of dread. Annihilated. Ah, joli. Merde. Ouais non, j'ai rien déjà. On est bon, c'est juste lui qui a refusé le... Prodigious size alone does not dissuade the sharpened blade. Ok. A trifling victory. But a victory nonetheless. On va camper dans la le prochain. Alors ça... faire ça. Très bien. Puis elle a un étourdissement et tout très élevé quand même, hein, docteur. Putain, c'est ouf. C'est ouf, c'est ouf. Je pense que cette équipe est pas mal. Elle est un peu... Elle change un peu que de d'habitude, mais... Après, c'est... le problème, c'est que je sais pas quoi faire après. Esquive, vitesse... Ou alors je protège quelqu'un, en fait. Je pense que ça, c'est mieux. Ça dépend, en fait. S'il y a de la vie basse, faut protéger, sinon non. Et Giant Dad, il prend quasiment rien. Pas encore au point, hein, le... La précision. L'évasion, pardon. Pas la précision, l'évasion. Give them no quarter.
Après, je dois dire qu'il prend vraiment très peu de dégâts. Enfin, ça, c'est bien. 37, 30, c'est vraiment potable. Joli. Ah, parfait, merci. Est-ce qu'il y a un moyen d'enlever les stuns? Il n'y a pas l'arbalétrière qui peut enlever les stuns. Je crois qu'elle peut enlever les marques, mais les stuns, je sais pas. Honnêtement, le lépreux, c'est potentiellement le meilleur tank, en fait. Parce que sa protection, en fait, reste tout le combat. Tout simplement. Il peut se soigner. Ça fait une protection de 30%. Puis ça fait des résistances à tout pendant un combat aussi, c'est 30%. Ouais, et la marque, elle reste aussi pendant un combat, quoi. C'est... Non, non, c'est vraiment bien. Je crois que c'est peut-être le meilleur tank, en fait. Il peut critiquer aussi et faire du 20 de soins. C'est... Il a beaucoup de... Il a aussi beaucoup de... On est dans une salle là ou quoi? Beaucoup d'HP. Ah, c'est sûrement le meilleur, je vais être honnête. T'es sérieux? T'as même pas... T'as pas déstressé, mais t'as stressé. Quel foutage de gueule, quoi. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. Alors... Alors, esquive et crit. Je crois qu'il va faire ça là, plus aucun espoir. On a 5. Je voulais... Ou alors il se met en quarantaine. Donc il va rester 2. Qu'est-ce que je fais avec 2? Ah, ça coûte 1. Ah, très bien. Il a rien eu. C'est trop trop bien. C'est pas la peine, personne ne gagne face à la damnation. Putain. Incroyable. Ah, je pense que notre groupe était vachement bien, sauf le... Si... Bon, si lui, il avait pas stressé comme un ouf dès le début, là. The way is lit. The path is clear. Je crois que c'est ça qui nous a tué le run. Enfin, pas tué le run, je pense pas qu'il soit tué, mais... Mais bon. Là, ça fait 2000.
faudrait reprendre ça. Ouais, ça nous a pas tué le run, mais bon. On a des problèmes, quoi. Ah! Général osseux. Tu fais quoi, toi? Ah oui, toi, tu fais juste... oui, toi, tu fais chier, en fait. Merde, il a pas bougé. Putain. Même Vanguard en tant que tank, alors il peut riposter, c'est bien, honnêtement, c'est cool. Mais... bof, quoi. Ça le protège pas, en fait, ça lui fait juste riposter. Waouh, trop bien. Et j'aime beaucoup les dots, hein. Enfin, après, vous avez sûrement remarqué ça depuis le début... Oh putain. Je joue quasiment... Enfin, la plupart du temps, quand j'ai toujours eu des bonnes... Des bons jeux, c'est quand je jouais au dot, en fait. Même des boss que je connaissais pas du tout, genre, je m'en suis sorti parce que Flagellant et Docteur. Enfin, surtout le Docteur, je pense, au final. Après, le buff de Vanguard qui reste aussi un combat, c'est magnifique. Ouais, les deux vont bien. J'aime bien cette équipe, en fait. J'aime beaucoup cette équipe. Je pense que peut-être un... Enfin, l'occultiste, honnêtement, il a des avantages à être en deuxième rang, donc je suis pas contre. Their cursed champion falls. Puis on peut s'enlever les infections et tout, sans aucun problème. On peut soigner son... Après, il y a le stress à gérer. Le stress à gérer, ça, c'est autre chose. Ah, il prend 6 parce qu'il a... Il a plus 50%. Enfin, c'est top. Ghoulish horrors. Brought low and driven into the mud. Après, les combats sont un peu lents, peut-être. J'en sais rien, en fait. Je sais pas, je les trouve pas lents, personnellement, mais... Je crois qu'il y a les... Ah non, ça c'est quoi déjà? Ah oui, de l'argent. Ah oui, avec des bijoux. Avec des bijoux, bijoux. As the light gains purchase, spirits are lifted, and purpose is made clear. Après, il y a le... Il y a quoi d'autre que j'aime bien comme classe?
Ouais, il y a des groupes. J'ai pris les screenshots à chaque fois que j'aimais bien des groupes. Il faut que je les regarde. Il faut que je les marque et tout. Genre ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. J'aime beaucoup même. Après, est-ce qu'on peut faire 100 healers? Je sais pas. Genre un, quelqu'un qui peut se faire des petits soins, mais pas beaucoup. Genre pour avoir un peu plus de DPS. Parce que c'est vrai que là, on a vraiment peu de soins en fait. On n'a pas vraiment besoin de trop soigner. Ça, ça baisse la précision. Non, c'est l'esquive. Puis si on n'arrive pas à vraiment tuer avec du mêlée parce qu'on n'arrête pas de louper ou je sais pas trop quoi. Du coup on a l'infection à chaque fois. Ah j'aime beaucoup. Voilà. Ça pourrait. Success so clearly in view. Ça pourrait être. Arrête de parler. Ça pourrait être une équipe pour le prochain assaut. Pour le donjon. Parce que là, je la trouve très solide en fait, l'équipe. Je la trouve très solide. Voilà, le problème, c'est à la limite, c'est. Les pièges. C'est la reconnaissance. La reconnaissance, on a quasiment aucune reconnaissance. Mais bon, on peut pas être bon partout, quoi. Par contre, il faut lui enlever le... ça. Ah, pas le début. Vite, vite. Merci. Ah, le fait de résister au malus, ça change aussi. Ça change la vie. On va prendre toi. Ou pas. Oh putain. Joli. En plus, ce docteur est tellement rapide qu'il passe souvent devant les... les unités les plus rapides qu'on peut rencontrer en fait. Ah, oh, il fallait juste quelques dégâts en plus. T'es relou. Soigne un peu.
bien. Grievous injury, palpable fear. Ça va, c'est potable. Il va mourir de toute façon. The bigger the beast, the greater the glory. Je me demande combien on peut en mettre des citrines, des saphirs et tout ça. Là. Et le stress, moins 20% pendant un combat aussi, c'est très puissant. Merde. Death waits for the slightest lapse in concentration. Ça va. Puis l'infection fait de la précision en moins. C'est vrai que ça aussi, j'y pense jamais. C'est l'infection ? Non, c'est le celui-là. Précision, moins 7, c'est énorme. Finisse avec ces bêtises, ça marche. Très bien. Pas mal. C'est la première fois que on a des bons. Qu'est-ce qu'on fait? On fait argent ou ça? Je crois qu'on va faire argent surtout. Est-ce qu'on avance encore un peu et on campe ou on campe maintenant? Je crois qu'on peut camper maintenant. Circle in the dark. Oh là là. The battle may yet be won. Sans déconner. Incroyable. Esquive et crit. J'ai plus de batterie dans le casque. Faut bouger ses pieds. Faut baisser sa tête aussi. Empêcher l'embuscade. Attends. Tu peux même foirer ça? On peut se faire en bas. Incroyable, incroyable.
En plus, je crois que ça m'a compté les points. Oh la vache. Alors, précision. 15. 15, c'est pas mal. Faut que je regarde aussi, il y a des classes que je connais pas vraiment bien. Et enfin, pas parce que je les aime pas, c'est parce que j'en ai pas. Enfin, de haut niveau en tout cas. C'est par exemple le maître chien là, ou je sais pas quoi. Apparemment, il peut un peu se soigner et baisser le stress et tout. The light, the promise of safety. Donc, il serait pas mal. Très bien. Très bien, résiste, résiste. Parce que ça aussi, ça tue, hein. Les résistances, hein. Quand elles foirent et qu'on a plein de dots, quand on a plein de malus qui s'additionnent, c'est une catastrophe. Trois par tour. On peut le soigner. On va refoutre une bombe en arrière, comme ça fera déjà deux morts. Obliterated. Très bien. Ah merde, oui. Mal joué, du coup fallait pas la tuer maintenant. Oh non. Ah putain, il veut pas. Inspiration and improvement. Là, on est à 6 par tour, c'est un peu la merde. Très bien. Maintenant, on se soigne. C'est vrai que baisser la vitesse, ça aide, hein, pour ça. Ça aussi, j'avais vraiment pas trop pensé. Est-ce que là ça fait double buff de dégâts ou pas? Dégâts 66 si regardez, critique, précision 24, ouais c'est pas mal. 86% et on loupe. Ah bah super, on va avoir des problèmes. Non ça va. And power. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Oh, il a dit la phrase. Il a dit la phrase magique.
rock. Ça a pas l'air de beaucoup marcher, ça, par contre. La traction, là, il faudrait peut-être un... une babiole pour augmenter ça. Je sais pas si ça existe pour lui. Exposed to a killing blow. Impressive. Ah, enfin. Decisive pummeling. Voilà. Un truc intéressant aussi, ce que j'ai fait avec les babioles. Ah, toi t'es mort. Ouh, joli. Avec les babioles du docteur, c'est que avec celle qui augmente la précision pour les stuns, l'infection et tout ça. Il y a plus 10. Genre là, il y a plus 10 en fait à distance. Et tous les lancers, c'est 10. Enfin, tous les lancers, c'est de la distance du coup. Et après, on a ça. De l'esquive et des HP en plus. Mais sinon, ça baisse la précision. Ce qui est un peu embêtant, quoi. Bah du coup, ça compense bien. Donc les deux vont bien. Donc... précision 131 quoi. Puis elle a des PV, des HP en plus. Ça marche bien. Des PV et de l'esquive en plus. Ah non, c'est plutôt cool. A victory. Perhaps the turning point. Très joli. Salle secrète, putain. Aïe, aïe, aïe. Finding the stuff is only the first test. Now it must be carried home. Some reward for a task well performed. On est bon. On est bas, mais on arrive dans la salle. Quelle merde. Curious is the trap maker's art. His efficacy unwitnessed by his own eyes. Alors, 3005. Là ça fait 2004. Là ça fait 2000. Donc à la limite, faudrait enlever un de l'or quoi. Ou alors, je pense que les antidotes, on peut en virer un. C'est pas vraiment important, et puis là il n'y a pas grand chose en fait. Les herbes médicinales, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Bon, par contre, on va. Là ça me stresse un peu. Les herbes, je crois qu'on peut les mettre de côté. Après les pelles, j'en sais rien parce qu'on n'a pas. On n'a pas tout fait. Donc pelle, passe-partout et eau bénite. Je crois qu'on va les garder pour le moment. Et l'argent bien sûr. La nourriture bien sûr.
On va aller là. Alors... Pas mal. On va tuer d'abord les deux bestioles, ou alors quoi que. Merde. Ah bah bravo. Faut qu'on le protège, lui. Faut qu'on le fasse avancer d'un cran, comme ça on peut le... Eh, va te faire mettre. Comme ça, on peut l'empoisonner plus rapidement. Et lui baisser la précision aussi. Ah, le stress, c'est pas bon. Le stress est pas bon dans l'équipe, en fait. Self-preservation is paramount at any cost. Sauvez d'abord le médecin qui d'autre vous sauvera. C'est pas faux. Je crois qu'on est presque, ça fait presque une heure qu'on est dans ce donjon. Les livres, c'est quoi déjà? Il y a un truc avec les livres? Non, pas vraiment. C'est juste dangereux, plus ou moins dangereux. Allez! Je revendique leur corps pour la science. Oula. Après, on a ça pour réduire la charge de stress, mais c'est pas assez. Hein. C'est vraiment pas assez. Pas mal.
Arrêtez, je suis en quarantaine. Non ! J'ai besoin de toi en plus. Là en fait faut tuer le gros. Faut juste tuer le gros comme d'habitude. Ça va plus vite. Même boosté, il a 25% de dégâts en plus, ça va. Il prend quasiment rien. Non, non, il est très très bon en tant que tank comme ça. Vraiment intéressant. Je peux faire 50%, 40 et précision 20. Ouh, précision 20. Mince, mes fioles en gaz, ça coûtera plus cher. Oh, cette prison charnelle, libérez-moi. Il va se faire mal. Ah non. Il va se marquer. Il va mourir, c'est bon. Tellement bien. Je suis une étoile mourante, laissez-moi m'éteindre en silence, c'est pas mal cela. Elle est pas mal. Donc au final, il n'y a que Giant Dead qui ne stresse pas. Intéressant. Pas mal. Seize this momentum. Push on to the task's end. Une seconde, il faut que je fasse une petite pause, il faut que j'aille prendre un truc à boire parce que là j'en peux plus. Ok, on est reparti. Oh putain. Vous voyez, dans des circonstances comme ça, il faut pacter de l'alcool. Ça aide. De l'alcool, ça permet de... Cool. Trop bien de voir un inventaire comme ça que vous allez sûrement pas ramener à la maison. c'est qui déjà? 65. Ok. Watch your step. Si je fais... Ouais, c'est du pareil au même. C'est du pareil, c'est aussi grand l'un que l'autre. Ah,
handsome reward. Ah, on a plus de... Ok, on a plus de torches. Well performed. 65. Ok. Ah la vache, t'en vas crever. Alors. Je sais pas, je sais jamais comment faire pour les tuer rapidement. On peut les étourdir, mais bon, est-ce que ça va être utile? Oui, oui, non. Oui, il faut faire un setup d'abord. Voilà. Je déteste rencontrer 4 araignées. Je crois que c'est le pire. Pour moi. On va faire ça parce que même s'il y en a 3 qui sont stun et qu'on peut roger, on peut genre tuer la première, elles vont bouger très vite les autres. Donc vitesse 6 là, relou. Ah non. Ok. Ah. Putain de merde. Frustration and fury. More destructive than 100 cannons. Okay. Great is the weapon that cuts on its own. Quoi, j'ai essayé? Laisse-moi te montrer comment un professionnel s'y prend. Aïe aïe aïe. Il va faire une crise cardiaque en plus. Putain. ...62% de précision, c'est une catastrophe. Injury and despondence set the stage for heroism or cowardice. Oh mon Dieu. Oh non mais. Ah mais ça va bien se passer, tiens. Ça va bien se passer. Honnêtement, j'ai envie d'attaquer pour au moins en tuer une. A devastating blow. ...70% de chance de toucher. Destroyed. Slowly, gently. This is how a life is taken. Alors. S'il te plaît, je sais pas quel dieu tu pries, mais faut que tu fasses un critique, genre 30 HP, ça serait vraiment bien. Ok. Trois tours. Ok, pas mal, pas mal. Ok, on se détend, tranquille. J'enlève même ma veste. Allez, tu fais un critique de soin, ce serait vraiment cool. Ok, un. Je sais pas. Oh mon Dieu.
Oh là là. Yay. Ah bah voilà, bah quand je dis rien, s'y arrive. Ah bah toi ça va aussi. Mais tu peux arrêter de toucher, honnêtement? Genre arrête de toucher quoi. Ça va te faire mettre bien. Waouh, 4, trop bien. Qu'est-ce que c'est fun, oh là là. Remets-toi en position, comme ça tu prends plus de soins quand on te soigne. Attirer bonjour les créatures. Ah. Voilà, 6. 9, trop bien. Annihilated. C'est simplement une catastrophe. Be wary. Simplement une catastrophe. A dizzying fall. Alors là, ça a intérêt d'être là. Ça a intérêt d'être la dernière salle parce que là, ça y est, j'utilise tout. Voilà. Si c'est pas la dernière salle et qu'il faut faire le chemin inverse, c'est bon quoi. Ah. Bon maintenant. Mon Dieu. %5 de stun. Moi je ferais plus un dégât, honnêtement. Ou alors on l'attrape et on essaye de le couper très vite. J'en sais rien. Il l'a appelé Balour. Ah ouais, non, vas-y. Ouais, on s'en fout du buff de vitesse. D'évasion, c'est bien. Oh putain. Cinq à 10 de dégâts, c'est magnifique. Si on arrive à faire quelques tours à spammer le... Spammer ça, ça peut peut-être fonctionner. Mais j'y crois pas trop. Y'a rien qui fonctionne, c'est magnifique. Mais merde. Terrible vistas of emptiness reveal themselves. Putain, on a bien fait de le protéger. Hein. Non, mais ils sont tellement programmés pour attaquer ceux qui ont le plus de stress. Ils sont tellement programmés pour ça. Incroyable.
Esquive et stress. On n'a rien dans l'inventaire hein, qui est utile. Ouais, non, on a rien du tout. Alors. De toute façon, il est protégé, donc tout va bien. Ok, ok. Ok, il y en a un qui va mourir, lui pas encore. Ah oui, c'est à moi, merde. Ok, fais pas le con. 4, c'est... Ouais. La tombe peut attendre. Aucun problème, il va mourir. Ok. Ah mais non, mais je peux rien faire. Je pensais que je pouvais attaquer le deuxième, le rang 2. On est bon là? 7. Alors. Vitesse, esquive. Critique, précision. Ouais, ouais, ouais. Le cosmos, tu sais ce que je lui dis, le cosmos? Ok, très bien. Pourquoi mon... Ne stresse pas. Merde, on peut rien faire quoi. Ça sert à rien en fait là. Non, il faudrait que je passe au moins. Ah non, si je passe en 2. Toi en 4 tu peux toujours jouer toi. Oui, on est top. Donc on va se déplacer. Parce que soigner de toute façon sert à rien. Si je soigne. Vanguard, ça sert à rien, il va stresser de toute façon à un moment ou à un autre, il va retourner à zéro, lui il a encore de la vie, et lui, lui ça va, il a encore de la vie. Ouais. Donc ça. Ok, on y arrive. Oh, dis-moi que c'est la fin. Oh, mon dieu, est-ce qu'on peut ouvrir le coffre sans qu'on crève ou pas? Oh mon dieu, c'est piégé. Oh, c'est... Oh là là. Stop, stop, c'est bon. Room by room, hall by hall, we reclaim what is ours. Oh la vache. Oh, je crois que c'est... On a... J'ai fait assez de Darkest Dungeon pour la journée, là. Je crois que j'en ai fait assez, là. J'en ai fait assez pour la journée. Obsession pour l'auto-vénération. Ça, on connaît pas, ça. Alors... Ouais, tu m'étonnes. Désir fou d'alcool. Au naturel. Putain, mais c'est nul, le naturel. L'art de dégainer. Ah, l'art de dégainer pour Vanguard, ça peut être intéressant. Parce que les tanks, ils ont toujours des putains de vitesses de merde. Alors, efface. Tout ça pour avoir ce truc, quoi, la vache. Bon, après, c'est vachement bien. Oh, on l'a mérité, le machin. On l'a putain de mérité. Ouh, c'est quoi ça? Uniquement pour bandit. À distance, dégâts 20. Distance, précision. À mêlée, dégâts... Ouh, la vache! Putain, le bandit, il a des trucs vraiment pétés, quoi. Bon, après, tu joues que... Du coup, tu joues que... distance, mais... J'ai bien envie d'aller le chercher, ça.
Pour les mousquetaires, oui, on attend toujours hein, les mousquetaires. Oh, putain, dégâts 25 si en position 4, quoi. Putain, mais ça tue. Je suis sûr qu'on peut en faire un super tueur, les mousquetaires. Là, on en a jamais. Voilà, encore une fois, on en a jamais. On en a jamais, jamais. On a un chien, nous. Je crois qu'on... Oui, on a un chien. Non. Mais est-ce qu'il est pas... Est-ce qu'il est 2 ou pas? Oui. Ouais, oui, il est arrivé au niveau 1. Donc on n'a pas besoin d'un autre. Enfin, on n'a pas besoin de le changer, c'est ça que je veux dire. Ça m'a donné mal à la tête. Bon, en tout cas, on a fait un super run. Hein. On a fait 30k. Du coup, on a deux autres personnes qui sont niveau, niveau 5, 6, pardon. On m'a dit que le chien pouvait être pas mal. Ah mais non, mais c'est pas le chien, ça. Non, mais on n'a pas de chien. Non, on en avait un, mais on l'a viré parce qu'il était nul. Précision versus infection. Non, ça, c'est horrible. Dégâts, ok. Vitesse esquive au premier tour. Non mais t'es, vous faites tous exprès en plus hein, de faire de la merde. Bah à la limite on prend celui-là quoi. À la limite on prend lui quoi. Donc Dureri. A lawman and his faithful beast. A bond forged by battle and bloodshed. Alors, fais voir. On m'a dit que lui, il pouvait être bien. Il pouvait être joué support et saignement, en fait. Alors, dégâts contre les bêtes et les marques. Après, là, on a un saignement en AOE. Bon, c'est un saignement très très bas, hein, mais c'est... Voilà. Malus sur la cible. Protection, moins 22%, pas mal. Et on marque la cible. Stress, moins 3. Bonus sur soi de l'esquive. Ça c'est le soin. Et ça c'est la tag étourdissante où on passe. Parce que je me suis dit, ça vous avez vu notre façon de jouer là avec le tank derrière. Et on m'avait dit en deuxième on peut mettre des choses comme ça, genre des supports quoi. Alors, ça c'est pas mal. Uniquement sur soi, ouais. Chance de repérage, 30%. Je pense que c'est un des plus gros. Alors, chance que le groupe soit surpris. Ah bah tiens, attends. C'est la même que le bandit. Et 20 et 20. Surpris moins et plus. Merde. Ça, surpris 20 et 20, ouais ok, c'est pareil. Piège 50%. Change de repérage 30%. Parce que ça peut être pas mal pour quand on fait des runs de farm en fait. La change de repérage. La change de repérage, c'est qu'on en a avec lui, je crois. 25%. Pour 3 points. Là, du coup, c'est 4 points. Je crois. Ouais, 4 points. 30%. Le bandit, il n'y a pas de repérage. Il n'y a que surprendre, en fait. Ça peut être pas mal. Genre, une équipe comme, genre comme ça. Genre, chien en deuxième. Genre un... Ah, vous me faites chier. Genre comme ça. Ou alors Giant Dad, peu importe. Avec le docteur derrière. Et... Comme ça. Non, c'est pas ce qu'on avait. Non, 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 non. On avait ça. Comme ça. Mais là, comment on soigne, en fait?
Comment on soigne du coup? Parce que ça, ça soigne que sur soi en fait. Non, 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 il faut autre chose. J'ai pensé à elle, parce que, attendez. Non, mais la vidéo est déjà trop longue, désolé. Laissez tomber, on verra ça plus tard. Je vais réfléchir à faire des groupes, parce que je veux tester des groupes pour les longs... donjons. Mais bon, voilà. Déjà, là, on a appris un truc, c'est pas mal. Là. Le coup de l'esquive et tout, parce que je mettais toujours beaucoup de protection. Mais l'esquive est vraiment bien. Et j'avoue que les lépreux, en fait, c'est potentiellement un des meilleurs tanks qui peut exister dans le jeu, au final. Tout ça grâce à ça, qui résiste avec des... qui met des résistances, en fait, surtout les malus et tout. Et ça dure tout le combat, puis après, il peut se soigner facilement. Il est très simple à jouer. En fait, il est méga simple à jouer et super efficace, du coup. L'homme d'arme en support est peut-être plus intéressant, à la limite, j'ai envie de dire. Le coup de l'esquive et tout, c'est pas mal. Après, on peut toujours... Enfin, c'est parce que j'utilise ça, quoi. Ouais, non, non, mais c'est vraiment utile, en fait, même ça. Bon, par contre, avant de se quitter, on va regarder pour le stress, là, parce que là, c'est une catastrophe. Alors déjà, je crois stress. Alors toi, docteur, plus docteur, toi tu... Non, non, tu veux boire tout le temps. Améliore la réduction du stress. Qu'est-ce qu'on voulait faire, nous, avec les trucs? C'est la guilde. Bah, c'est ça. Ouais, on est bon. On a la guilde et la forge au max. Nickel. Nickel. Maintenant, ce que je voudrais, c'est la diligence. Ouais, oui, il nous faut des... la diligence, en fait. Faut augmenter la diligence au max. J'ai soif, monsieur. Ah, peut-être que Alcolim, j'aurais peut-être pas dû le mettre là, en fait. Bref. Toi... Toi, tu peux aller n'importe où. Ah non, tu peux pas méditer, pourquoi? Ah, ok, putain, merde. Tout l'argent qui passe là-dedans, quoi, c'est ouf. Vanguard. Vanguard, il a ça, ça m'intéresse, mais je sais pas si en fait ça vaut le coup de le bloquer en fait. Bon, bref. Par contre, bon, t'as des maladies comme d'habitude qu'il faudra enlever. Après, Ornstein et Giant Dad. Maison close. Ouais, maison close, c'est. C'est déjà occupé. Attends. Parce que... All manner of diversion and dalliance await those who cross the threshold with coin in hand. Oh non, il veut que méditer en plus. Oh là là. Je fais ça pour rien, quoi. Mais j'ai utilisé des trucs pour rien. Putain de jeu. Bref, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut les déstresser en même temps, en fait. Enfin, beaucoup d'un coup, comme ça on peut jouer après. Dianda, tu nous fais chier. Tu nous fais chier, toi. On peut faire ça, et là, 2600, 2100, après le reste ça va.
Oh la vache. Après, est-ce qu'on avait des choses à bloquer? Je ne me rappelle plus, honnêtement. On verra ça quand on prendra des gens. Soin de stress reçu. Soin de stress reçu plus 10%. Ça peut être bien, ça. Ça, elle, elle est vachement bien. Elle est devenue vachement bien. On verra la prochaine fois ce qu'on fait. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc ça, on en a déjà des anneaux. Premier tour, vitesse et critique, ça c'est pas mal. On s'en fout un peu. Le mousquetaire, le chapeau mousquetaire est, a l'air vraiment, vraiment, vraiment top. Mais bon. Ancestral, ça aussi. Donc du coup, c'est un grand run à faire. On va peut-être faire ça la prochaine fois. Les reliques sacrées pour récupérer ça. Ça, ça a l'air vraiment bien. Dégâts et précision. Je crois que c'est une des meilleures choses qu'on peut mettre sur le bandit. Parce qu'en plus, on avait vraiment des trucs de merde pour le bandit, je crois. Donc ouais. On fera ça la prochaine fois. Et après, on va devoir se préparer un jour ou l'autre au... à faire ça. Je pense peut-être le prochain jour, je sais pas, on a encore des maladies à enlever, des petits trucs à faire pour être prêt. Mais je pense qu'on va potentiellement faire exactement le même run. Ah oui, toi t'as des spasmes. On va faire le même run avec les mêmes personnages en fait. Parce que je pense que ça a vraiment bien marché. Je trouve que ça a vachement bien marché en fait. Pour un run, un grand run à faire quasiment toutes les salles. Le problème, en fait, où ça a merdé, c'est à cause de l'occultiste qui était déjà stressé en fait à la base. Il était déjà à 50% je crois. Et honnêtement, ça c'était la plus grande erreur en fait qu'on aurait pu faire. Donc ça c'est pourri. Après, on peut, à la place de Giant Dad, on pourrait mettre Faram. Parce que lui, il a ça. Il a protection plus 30%. Après, on a de la torche aussi, donc ça peut aider. Et puis après, il a du soin, il a du... tout. Mais, encore une fois, ça manque. Du coup, il faudrait mettre... il a esquive 25 de base. Giant Dad, il a combien? J'arrive pas à le trouver. Il a 20. Bon, il a protection 10 de base. Après, là, il aurait 30. Ah, mais c'est au max. Ah, mais ça, ça reste pas... Ah non, utilisation par combat. Une... Oui, oui, non, si, ça reste. Mais du coup, il peut pas se soigner. Enfin, si, enfin, oui, il a pas vraiment exactement le même truc. Mais il a pas les résistances, en fait, de 30%. Donc, il faudrait mettre ça en... en breloque. Genre là on a ça, après on a ça, là, 33%. Et puis il n'y a pas les malus en fait, c'est ça le problème. Stress moins 8. Torche plus 10. Ouais, on n'aurait pas vraiment de problème avec la torche par contre. Hein. Mais ouais. Quoique ouais, c'est du pareil au même. Genre 10 PV, stress 7 au niveau 5. 10 PV, stress 7, là c'est stress 8, c'est 2 par contre soin. C'est tout. Mais torche, c'est vrai que ça peut aider ça aussi. Je sais pas, on verra. On verra si on essaye de faire une autre équipe, voir si ça fonctionne bien. À la prochaine, c'était très long, désolé. Excusez-moi, c'était un très très long épisode. Ciao!